Le Seigneur continue de nous surprendre en répandant sa grâce sur qui il veut, où il veut et quand il veut. Atteinte d'un diabète couplé d'une hypertension accompagnée de rhumatisme depuis 6 ans, Dame Popoluise a parcouru tous les hôpitaux, consulté tous les spécialistes en Côte d'Ivoire comme en France où elle réside depuis 4 ans. Mais rien, pas de solution, aucune amélioration. Dame Popoluise devait donc prendre des médicaments à vie. Venue en Côte d'Ivoire pour le mariage de son fils, ce dernier l'invite à la prière du Centre d'Excellence d'Angry. Et seulement 3 jours ont suffi à notre Seigneur pour la visiter. Joie et émotion étaient au rendez-vous. Regardez. Je remercie le Seigneur. Oui, maman. Je ne croyais pas. Tu ne croyais pas? Au départ, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible? Oui. Parce que depuis, ça fait 4 ans, je suis à Lyon. 4 ans, tu es à Lyon? Oui. Chez les Blancs? Je ne pouvais pas marcher. Oh, tu es à Lyon, il y a les grands médecins, il y a tout cela. Ils ont tout vérifié. Oh, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? À Lyon. À Lyon. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? C'est pas à Bobo, c'est à Lyon. Non, c'est à Lyon. Oui, maman. Là-bas, dans un grand hôpital, on m'a fait toutes les analyses. Toutes les analyses? Toutes les analyses. La tête, le foie, les pieds, ceci. Même micro, même l'a mis dans ma bouche pour aller regarder dans mon foie là-bas. Hey. Coupé. Je n'ai rien compris. Et maintenant, je n'arrivais pas à marcher. À marcher. Et mon fils m'a dit de venir. De venir. Après son mariage, il a dit, maman, viens nous voir, ma femme et moi. Voilà comment je suis venu. Et vendredi, je vous dis, vendredi, chez lui. Alors, j'étais assise là, il dit, allons à la prière. Oui, maman. Alors, comment je suis allée là-bas, ils ont prié pour moi. Et le premier jour, j'étais là, et mes reins. Il y a une dedans, elle me dit, maman, lève-toi. J'ai dit, c'est pas ce que je sens ici. Ici, là, ça chauffe. Et puis, on dirait qu'on a mis un caillou. Je ne peux pas me lever. Elle dit, maman, il faut te lever. Elle est quelque part là. Elle voulait que tu exerces ta foi. Parce que c'est quoi le miracle de Dieu? Alors, elle m'a dit, ah, l'homme de Dieu arrive, approche. Et je suis allé, vous avez prié pour moi. Ici, là, là. Mais quand je suis allé à la maison, mon pied que je ne pouvais pas soulever, je peux le soulever. Il ne m'a jamais laissé, jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé, oh, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Vous voyez, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Maman, vas-y. Maintenant, voilà. Voilà, ça, ce sont mes médicaments. Voilà. Lundi jusqu'à dimanche. Vous avez vu, c'est dimanche. Pour le diabète, je n'ai pas pris. Et je suis venue, j'ai fait la prière. J'ai fait la prière, il a tapé mon ventre, il a tapé ici. Là, il a mis, voilà la langue de Dieu. Il m'a touché. Ce que j'ai reçu, je n'ai jamais reçu. Un coup, je me suis retrouvée par terre. Je dis, aïe! Je me dis, comment qui a fait ça? Qui a fait ça? Moi, comme ça, mes milliers, comme ça, qui a fait ça? Et puis, je me suis levée. Quand je me suis levée, mon pied là, on dirait que quelqu'un tire. Alors je regardais de gauche à droite, partout. Je dis, mais qui me tire là? Qui me tire? On dit, reste là. C'est le médecin, le Saint-Esprit qui tirait ça. Voilà comment. Dieu est bon pour toi. Acclame le Seigneur encore. Et aujourd'hui, je vais soulever mon pied. Maman, cours un peu, vont voir. Ok, ça là. On me fait des injections. Et 10. 3 par jour. 3 par jour à Lyon. Est-ce qu'on peut se lever pour rendre hommage et gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Papa, c'est pourquoi moi je chante. C'est pourquoi moi je chante. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Désormais, plus besoin de médicaments, plus de douleurs, ni de vertiges. Un jour nouveau, une vie nouvelle s'offre à Dame Popoluise. Le médecin par excellence est intervenu par le canal de son serviteur, la Chiapako Marie. Dame Popoluise s'est vue entièrement remise de ce mal.
Ce que Dieu a fait pour Dame Louise Popo, il le fera aussi pour toi. Donne-lui entièrement ta vie et tu verras sa puissance. C'est pourquoi moi je chante.